Salut, nous voilà au Tokyo Dome. Alors, on reprend ce vlog un peu tard, mais on a déjà fait 2-3 trucs. On vient de faire l'attraction là. Alors, Logan, t'en penses quoi? Excellent. T'as envie de la refaire? Ouais, franchement, elle vaut le coup. La descente est vraiment bien, puis tu remontes tout en haut. Franchement, il vaut le coup. Hein. On a payé 1030 yens. Et on s'était dit qu'on allait prendre le passe-passe, donc du coup 500 yens en plus. Donc pour 1500 yens, soit à peu près 11 euros, elle vaut le coup. Et ici, on vient d'aller manger dans un petit resto où ils font des hot dogs avec du fromage à raclette. Alors, tu en as pensé quoi? C'était bon. Ouais, c'était bon. Le fromage était vraiment bon. Un peu peu, je trouve. Ouais. Et... C'était juste un hot dog quoi, donc on reste un peu sur notre pain, mais voilà. Et donc ici, on va rejoindre Kevin et Corentin, et on va voir ce qu'on peut faire ici. ハマって転倒リンクを同時にフラッテな一輪車の上で、バランスを取りながら投げますと言いますので、皆さん素直な旅で拍手をお願いします。同時に投げます。 皆様、スタートでお客さんは正直子供が4人ぐらいいただけで不安だったんですけれど、一人一人に足を止めていただいて、いい賞になりまして、本当にどうもありがとうございます。頑張って最後投げながら、リンゴを食べたいと思います。タイミングは僕のタイミングでいきますので、皆様、音を聞いてご覧になってください。 Et voilà, on vient de sortir de la salle Sega. On a été faire un tour et tout avant. Si je voulais pas et... j'aurais pas essayé de gagner. T'es content? Oui. C'est Kevin qui l'a gagné. Ouais, et moi mon truc que je voulais gagner, j'ai pas eu. Non, et pourtant je lui ai mis de l'argent. Donc, comme un bon bro qui veut rendre. Donc voilà, et maintenant Coucou il va aller faire le gros truc là-bas. Ouais, tout seul. Tout seul comme ouais. Un grand. Ah ouais. Ouais. Non. Bon mais voilà, je ressors dans l'attraction. C'est excellent. Et donc ici on va retourner sur Eta, c'est ça? On va manger là-bas. Et voilà. Ah bah on s'est pas passé par là. Donc ouais, c'était une journée sympa. On peut pas partir par là. Si, on prend l'élévateur. Il y a 4 marches. Il y a 4 marches. Hein. Donc, voilà. On vous reprend au tas. Salut. Ils se battent tout le temps ces deux-là. Arrêtez de vous battre. On est dans un resto, moi et Kev. Les autres sont partis manger des burgers. Et il a pris. Des frites. C'est un accompagnement. C'est un accompagnement. Non, 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 pas trop. Hein? Ça va? S'il te plaît. Allez, vas-y. Tu me diras ce que tu en penses. Et ta tête, elles ont pas l'air d'être bonnes. Ça a pas de goût. Ça a pas de goût? J'en pique une. Une petite. On dirait les frites du McDo quoi. Ouais, on campire. Donc voilà. On vous filmera à peu près les plaques qui vont arriver. Parce que sinon là le vlog à peu près il fait 1 minute 30. Aujourd'hui, hier il faisait 5 minutes, donc faut qu'on filme un peu plus quoi. Donc voilà. Il a pris ça. Alors, est-ce que ça a l'air d'être bon? Oui. Oui.
puis ben moi j'ai pris ceci. Avec ceci. Ta compagnie du donc voilà. Je pensais pas que ça allait être aussi grand, mais voilà. On va goûter et on vous dira ce qu'on en pense. C'était très très bon, j'en peux plus. Et toi Kev, tu t'as pris une petite dessert? T'as pris quoi? Une glace. Une glace. Et ton plat, c'était bon ou pas? Bon, ouais. Hey, si tu devrais lui mettre une petite note sur 10. 7. Un petit 7? Bah, ça va. Donc c'est à revenir occasionnellement, mais pas à revenir quoi. Moi, pour la fondue, je mettrais un petit 8. Et pareil pour ça, je mettrais un petit 7. C'était bon, mais voilà. En plus, c'est un truc que j'avais jamais goûté. C'est en fait, ils font chauffer ta plaque. Et donc, le truc, il arrive en ébullition. Enfin, il y a des bulles et tout. Quoi. Et c'est à toi à stopper quand tu veux commencer à manger. Tu mets ça là-dedans. Enfin, voilà, c'était très très bon. Enfin, très bon. Pas très très bon, mais... C'était bon, quoi, voilà. On regrette pas d'être venu quoi. Donc voilà, c'était à tester. On est dans. C'est Jonathan. C'est une chaîne de restaurants. Où... Je sais pas s'il y en a autre que le Japon, mais. Mais voilà. Donc si vous passez, on vous le conseille. Mais c'est pas à faire 15 fois sur votre voyage quoi. Voilà. Donc là, il termine sa glace et on va rejoindre les autres. Voilà, de retour à l'appart. On a été faire quelques jeux de pain, c'est tout. Pas faire attention au bordel. Hein. Vas-y, montre t'as pris quoi. Alors, une paire d'écouteurs. C'est de toute beauté. En bouvet, comme la boîte. Attention. Une tasse tic-tac. C'est à quel moment tu prends une tasse tic-tac? C'est pour moi. Des biscuits panda. Tic et tac. On sait pas quel goût. C'est ça à moi ça par contre de pas mieux. J'ai pris mais toi, ça, c'est pour tous les deux, il y a Coco et Logan là. Ça va Coco, fais pas ton jaloux. Je sais pas c'est quoi, un truc 3D. En gros c'est tu mets sur ton téléphone, à ton écran, tu mets une image ouais, 3D. Mais... Et du coup tu mets sur le truc et ça fait un hologramme. Non. Si. On testera pour voir si ça non. fonctionne. Non. Mais ça reste qu'on a l'idée de. Peut-être pas aujourd'hui, mais. Alors après. Le Splatoon de Corentin, le rose. Le bleu. Et moi j'ai le jaune. Non, mais tu vas l'attraper. C'était jaune. Tu l'as eu. Jaune-orange. Alors, dernier petit cadeau. Un snipers. Spinner. J'ai fait exprès, c'est TK. Mais tu connais pas. T'es classique. Ensuite, nous avons. Une Vegeta Saiyan Blue. Il y avait la Goku avec. Saiyan ouais. Classique. Mais j'ai préféré la Vegeta. Ouais, la Vegeta était mieux. Et donc du coup, moi je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, oui. Il y a la figurine là. Voilà, mais je vais essayer d'avoir le socle parce qu'elle est vraiment magnifique avec tout le... Tout. Hop, ça va. Dans le coin goodies, il y a vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Ça fait depuis le début du voyage qu'elle m'a fait de l'œil. Et donc du coup, j'ai voulu la prendre. La Saiyan Blue de Coco. Ouais. Du coup. Ah mais. Voilà. Et ensuite. Alors, il y a la carte là. C'est ma. Voilà. Je pouvais pas ne pas la prendre. Enfin, c'est Coco qui me l'a pris, mais je lui rends. Il y a deux. C'est comment on appelle ça, des blisters? Les paquets là. Ouais, des blisters. C'est... Non, mais comment ça s'appelle réellement des blisters? De quoi? Une carte ou non, le paquet. Ah ouais, donc. Et voilà, j'ai pris deux fois des blisters Yu-Gi-Oh!
Il veut des bulles aussi. J'ai pris encore autre chose. Hop, et des cartes dans Dragon Ball. Celle-ci. 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 Et celle-ci. Et voilà. Et Kev, tu as pris quoi toi? Pas grand chose. Donc que de la bouffe. Donc voilà, sur ce, on verra bien s'il y aura quelque chose d'autre pour le vlog, sinon ça sera tout. Elle est vraiment belle. Oui, j'ai fait une sorte d'effet. En plus, il est rose.